Le cours est enregistré à la réfoua chez l'Ema, réfoua ta nefesh, réfoua ta gouf de Édouard Eliaouhai Ben Esther. Chakadosh baouhoui schlachlo, réfoua chez l'Ema, el narefanalo, el narefanalo, el narefanalo, srutatora gen baado, ve chaloubo, kolabrachot kulam, ve chenye iratson ben Omar, amen. Chers amis, Chachamim s'interroge. Noah, on sait que pendant une très très longue période, il s'est trouvé enfermé, emprisonné. Dans la fameuse arche de Noé, dans la fameuse teva, il se trouvait là-bas avec des animaux, toute la journée, toute la nuit. Il devait être responsable de se lever à telle heure pour donner à manger à tel animal, à telle heure pour donner à manger à tel animal. Un jour, il est venu un peu trop tard, dit le midrash. Il y a un lion qui l'a mordu. Bref, il a vécu une vie insupportable pendant cette période-là du déluge, du maboul. Disrachamim. Lorsque Noah sort de la Teva, on aurait dû amener tous les meilleurs psychanalystes, psychologues, psychiatres, etc., qui auraient dû s'occuper de lui. Il y a de quoi devenir fou. Rester pendant une tellement longue période, enfermé, tu ne peux pas sortir, tu es avec les animaux, avec les odeurs des animaux, avec le vacarme que les animaux font. Impensable. Nous, si on était à sa place, on serait devenu fou, visiblement. Comment se fait-il Noah n'est pas devenu fou. Dis Rahamim, parce que Noah il savait très bien qu'à l'extérieur il y avait le déluge. S'il n'était pas dans la Teva, il serait mort. En quelque sorte, ceux qui se sont trouvés dans la Teva, dans cette arche-là, avec les conditions difficiles qu'il y avait, c'était un privilège pour eux. Quand tu es conscient de ce fait, eh bien tu acceptes. Tu acceptes les difficultés qu'il y a. Tu sais que toi, tu as le droit au moins d'avoir ta vie sauvée. Toi, ta famille, tes enfants. Et en soi, ça te donne des forces d'accepter la situation telle qu'elle est. Combien, mes chers amis, cette notion est importante On n'a pas besoin que les coachers nous le disent. Lorsque certaines personnes se plaignent eh, ma femme, quelquefois, elle a un petit peu trop ceci, un petit peu trop cela. Mais imagine-toi que tu avais 55 ans et que tu n'avais pas de femme. Que tu n'avais pas réussi à te marier. Que tu mourais d'envie de te marier et que tu n'avais pas trouvé de femme. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Le bébé toute la nuit ne m'a pas laissé dormir. Ouais, c'est trop dur, c'est trop machin, c'est trop... Tu sais qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir des bébés et de ne pas pouvoir dormir la nuit parce qu'il y a des bébés Et ces gens-là, ils n'ont pas de bébés. Si tu es conscient de ce qui aurait pu se passer... N'était-ce le recette d'Akadosh Hu Eh ben tu acceptes les petites difficultés qu'il y a en amont et en aval. Et plus que ça, tu remercies Akadosh Hu de tout ce que tu as. Lorsque l'homme se sent emprisonné, quelquefois je sais que certains d'entre nous peut-être pouvons nous sentir emprisonnés. Parce que la Torah, malgré tout, d'une certaine façon, elle nous emprisonne un petit peu. Là, tu es obligé de faire ci, là, tu es obligé de faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Mais quand on ouvre nos yeux, et qu'on voit que le monde qui est en dehors de cette Torah, c'est un monde de déluge, un monde de maboule. Dans toutes les traductions du terme, maboule en hébreu, les maboules en français. Quand tu comprends que le monde dans lequel on vit n'était-ce l'abri dans lequel on peut s'abriter qui est celui de la Torah, le refuge qui s'appelle la Torah, c'est un monde de fou, et bien tu acceptes et tu te réjouis. Et tu acceptes les difficultés inhérentes à une vie de Torah. Qu'on ait HaShem, mes chers amis, le mérite. De sans arrêt regarder, regarder ce que nous avons et pas ce que nous n'avons pas. La difficulté que ça aurait été si on n'avait pas eu ce qu'on a. Et non pas la difficulté qu'il y a maintenant qu'on a tous les problèmes qu'on a. Les gens, ils appellent ça les problèmes de riches. Et c'est vrai, il y a des problèmes de riches. La plupart des problèmes que nous avons, mes chers amis, sont des problèmes de riches. Parce qu'on s'aperçoit du fait que la vie en dehors de la Torah, une vie sans Torah... C'est une vie de fou. Et eh bien là, on peut comprendre, on peut accepter. Ça ne nous dérange plus de devoir quelquefois être contraint d'accomplir telle et telle chose, en dehors du fait qu'on sait très bien que tout ce qu'Akadosh Baroucho ordonne, c'est vraiment uniquement pour notre bien. Colto, mes chers amis.